responsabilité. T'es obligé de vivre sur tes enfants, c'est comme ça, c'est écrit. Et ben, en attendant, il nous a pas connu. Bah écoutez, à chaud, que dire, bah c'était un très beau film. En fin de compte, c'était un peu une fable moderne, je dirais. Surtout, ce qui m'a un peu marqué, c'est que au fur et à mesure du film, on suit l'évolution du personnage principal et on a du mal à se réjouir en fait de ses réussites tout au long du film. C'est-à-dire que elle est heureuse on sent qu'elle est heureuse dans ce qu'elle accomplit, mais dans le fond, on sent que c'est toujours teinté de. Le mot est un peu fort, mais c'est quand même misérable dans la mesure où. C'est pas extrêmement glorifiant ce qu'elle fait dans tout le film, mais elle y trouve quand même un certain bonheur, je pense, tout au long du film, et on sent au fur et à mesure que ça s'étiole, et ça finit comme vous l'avez vu en drame, et voilà, c'est surtout ça que j'ai retenu. C'est comme si finalement elle avait eu la chance de s'en sortir grâce à ce danseur qui lui tendait une main qu'elle n'a pas saisie. Et au final, c'était un peu ce qui pouvait la tirer vers le haut. Finalement, elle ne l'a pas fait et ça a dégradé. Alors, elle ne l'a pas fait en même temps parce qu'elle était sous l'emprise de Rebecca et aussi, surtout, au nom de l'amitié qu'elle plaçait au-dessus de tout. Parce que c'est ami à l'amitié, ce film. C'est vraiment... C'est deux jeunes qui sont prêtes à la vie et à la mort à se jurer fidélité. Pour moi, c'est deux chemins complètement différents. En fait, il n'y a pas une question de main tendue de la part de Didi ou de la part de Dounia, une main qui a été laissée. C'est deux chemins complètement différents. Et certes, c'est un immense amitié, mais je ne sais pas si le personnage de Dounia, si elle place l'amitié au-dessus de tout. Mais pas au-dessus de l'argent. Et jusqu'à la fin. Et c'est à la fin qu'elle se rend compte de quelque chose. Et c'est un truc très important à savoir, c'est que Gigi n'est pas là pour la sauver. Non, c'est elle cherche son propre chemin. Donc il n'y a pas d'homme pour la diriger, elle. Et je pense que dire que Gigi est une main tendue, c'est un peu mettre Dounia en second plan. Et ça, c'est faut voir ça, alors que c'est elle a choisi son chemin. Même si c'est pas un chemin qui est respectable, c'est son chemin à elle. Voilà. J'aimerais bien entendre Giscard sur l'origine de Divine, et voilà. Bonsoir. L'origine du film, en fait, le film, il est parti sur un constat, en fait, coup d'aile. Constatée. elle est partie des émeutes de 2005 et elle se disait par exemple qu'en mai 68 il y a eu un avant et un après, alors qu'en 2005 il y a eu un avant mais il n'y a pas eu d'après. C'est-à-dire que la révolte qu'il y avait ne s'est pas transformée en intelligentsia. Oui. Et que enfin ça n'a pas été repris alors qu'en 68 il y a eu des réformes et plein de choses qui s'est passé après, alors qu'en 2005 on a laissé enfin, voilà. Et aussi elle voulait parler des pauvres. Les pauvres, c'est pas seulement les gens qui ont pas d'argent, c'est aussi le personnage de Cassandra, parce qu'elle rentre pas dans la norme, parce que c'est un transsexuel, c'est un transgenre. Et voilà, elle voulait parler de tous ces gens désaxés, mis un peu de côté, de ces gens qui ne rentrent pas dans la norme que notre société nous dicte. Et puis voilà, quoi, c'est un constat, c'est pas quelque chose de fantasmé. Elle montre les choses telles qu'elle les voit. C'est pas. Il n'y a rien qui a été grossi, en tout cas pour elle.
Parce que les femmes, ça existe des femmes aussi qui tiennent des quartiers, des femmes qui ont des terrains dits, ça existe. Le personnage de Rebecca est inspiré par... par une vraie femme que j'ai côtoyée, moi, pour m'imprégner de mon rôle, parce que c'est... Enfin, moi, j'ai jamais vendu de shit, j'ai jamais... pendant le tournage, j'ai jamais fumé, enfin, je fumais pas avant, je sais même pas comment on appelle les gros trucs comme ça, mais en fait, j'ai su que c'était des plaquettes, quoi, j'ai... Voilà. Il y a plein de choses, je suis partie en bas de mon quartier, traîner avec ces gens pour voir comment ça se passait dans le milieu. Et tout ça, Ouda voulait montrer ça aussi. Et je pense un truc aussi qui lui tenait à cœur, pardon, c'est les thèmes en fait. Elle voulait défendre des valeurs. Il y a l'amour, l'amitié. Ouda, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui donnerait tout pour ses amis. C'est quelqu'un voilà quoi, qui aime les gens quoi. Et puis je sais plus pourquoi j'étais en train de dire ça, mais au début c'était très intéressant dans ma tête. J'ai du mal à refaire tout le cheminement là. Il y a dans chacun de nos personnages, il y a une part de Ouda. C'est pas que dans Dounia, il faut aussi savoir que c'est une fiction. Enfin, c'est pas une biographie quoi. Mais Ouda, c'est quelqu'un de... pour moi, Ouda, c'est un soldat, c'est une guerrière, quoi. Un peu comme Dounia, un peu comme Rebecca, un peu comme en fait, elle a ce côté tendre de Maïmouna, elle peut avoir ce côté dur de Rebecca. Je suis musulman, et voir le film commencer avec une sourate du Coran, en sachant avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'amalgame islamiste et tout, voir le film commencer avec ça, rien que ça, c'est une claque. Ça veut dire que, culturellement, aujourd'hui, Ouda montre à quel point la société française est une société hybride. On est une société au cœur de... En fait, on est tellement mélangé de tout, qu'on peut pas nier, on peut pas nier ce qu'on est, la profondeur de ce qu'on est. Et avec ce film, en fait, elle cherche l'humain, elle cherche même plus à défendre telle ou telle personne, elle cherche l'humain, l'essence même de l'humanité. C'est quoi? C'est un peu un djihad. Un djihad, c'est le combat contre soi-même, en fait. C'est un combat contre elle-même, contre ses démons. L'essence du djihad. Ouais, et c'est... Oui, c'est vraiment le combat, voilà, contre soi-même. Et je pense que c'est exactement ce que vous venez de décrire, en fait. C'est vraiment... comment dire, c'est vraiment... Elle, c'est vraiment... Enfin... Bon, bref, voilà, c'est le combat contre soi-même. Désolée. En fait, le truc qui se passe à la fin, c'est que... durant le moment du rêve, il y a Maïmouna croit. Elle croit toujours, elle a toujours cru. Et à la fin, quand Maïmouna meurt, c'est la première fois que Dounia demande pardon. Et elle produit tout ça, elle produit tout ce truc pour en arriver à sa propre rédemption. Elle se cherche une rédemption parce qu'elle est arrivée au bout d'un chemin qu'elle tient plus. Alors que jusqu'ici, elle pensait qu'elle pouvait tout tenir. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle lâche prise. Elle lâche complètement prise. C'est qu'elle, justement... c'est ce qui est fort dans ce film, c'est qu'il y a un truc complètement métaphysique, c'est que le personnage de Dounia, elle se met réellement à croire à la fin, elle a quelque chose qui peut la soutenir autre qu'elle-même. Il y a le père de son ami qui lui dit « mais avant tu priais beaucoup, ouais. » Donc elle a perdu complètement ce rapport intime qu'elle avait avec la foi, qui finalement, elle retrouve un petit peu vers la fin. Mm-hmm. Dès que son ami meurt aussi, et qui était aussi son lien vers la religion. Et, peut-être comme si elle le perdait, mais que du coup, elle se rattachait quand même à cette notion-là. Non, en fait, moi, je ne suis pas très croyante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, j'ai plutôt une analyse
je sais pas, un peu plus politique du film, mais l'inaction des pompiers, moi, ça m'a vraiment fait penser à Zia Debouna, en fait. Et j'étais... Et c'était pas seulement, mais c'était... Et les, je trouve que les scènes de caillassage, là, c'est vraiment, oui, les émeutes de banlieue, et que peut-être que la force puissante, quand même, contre laquelle elle lutte, cette pauvre Dounia, c'est aussi... des années quand même d'inégalités sociales se creusant, de merde absolue dans les banlieues sans qu'on... Enfin, je veux dire, sans que grand monde s'en alarme, quoi. J'ai l'impression que c'est ça aussi son combat, c'est contre une société qui produit beaucoup de malheur et... Mais quand on voit juste la scène d'avant, la scène où elle brûle les voitures, et que quand les pompiers viennent pour éteindre les voitures, elle-même, Dounia, s'oppose à les laisser faire leur travail. Arrivé à cette scène-là, moi personnellement, à la fois j'étais dégoûté qu'ils ne fassent rien, mais à la fois je comprenais parfaitement. C'est que... Si, parce qu'en fait justement ce qui est bien, c'est que Ouda ne pose pas de jugement. C'est qu'elle aurait pu mettre cette scène-là des pompiers sans expliquer juste avant ce qui s'est passé. C'est qu'elle aurait pu dire juste, voilà, c'est les pompiers qui n'ont pas envie d'aider. Non. Elle explique clairement que... Le mec dit clairement, je peux pas vous aider si la police n'est pas là pour au cas où, s'il y a quelque chose qui arrive. Et la police traîne, parce que la police traîne tout le temps. On peut pas en vouloir. Non mais il y a un truc qui fait que, même si le pompier aurait voulu faire son métier en temps et en heure, parce que son métier c'est de sauver des vies, je pense pas, aucun pompier ne veut laisser une personne mourir, même si c'est un risque minimal, je pense qu'il ferait. S'il a choisi ce métier-là, c'est justement pour venir en aide. Et je pense que, d'ailleurs, c'est un vrai pompier qui joue le pompier. Ouais. Et qui, justement, était très bouleversé durant cette scène-là, parce que, paraît-il, il aurait vécu à peu près la même situation. Et c'est vraiment difficile, je pense, pour une personne qui fait ce métier-là, de ne pas venir en aide. Mmh. Et qu'on ne peut pas le mettre en cause pour ça. Merci à tout le monde. On arrive à la fin. Je voudrais juste, avant de parler d'un court-métrage que Cécile a réalisé et qui s'appelle Eli Kia et qui veut dire espoir. Voilà. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ce court-métrage. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous nos invités d'avoir participé à ce débat et merci au public. Merci et bonne soirée à tous.